on met les voiles avec Granville. La place de la République, j'ai toujours eu l'image d'une place chaotique, en fait, qui était plutôt traversée par les voitures que par les piétons. Chaloupe-moi la République, bébé! Mais c'était pas une place très... enfin, en fait, pour être fréquentée, en fait. Hein. Elle était pas très accessible, enfin, c'était pas un endroit qui donnait envie de rester particulièrement. Afin de mieux appréhender les attentes concernant le renouveau de la place de la République, la ville de Paris avait organisé une grande concertation qui essayait de rassembler les avis et les expériences des riverains, des habitants de Paris, mais aussi de personnes venant de beaucoup plus loin. On avait retenu deux choses. Les gens avaient compris que la place de la République n'était pas un square de quartier. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y avait une très grande diversité d'attentes, d'usages. Il y avait à peu près 70% de la surface de la place qui était pour de la chaussée automobile et des terre-pleins centraux entre à l'intérieur des ronds-points routiers. On ne vit pas aujourd'hui de la même manière qu'on vivait il y a 10 ans. Donc dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'on la refera la prochaine fois, mais ça faisait 130 ans qu'on ne l'avait pas refaite. On a essayé de construire un espace qui puisse évoluer dans le temps et qui soit non seulement capable d'évoluer, mais surtout qui incite les évolutions des modes de vie, les évolutions sociétales, les évolutions d'usage à s'exprimer à cet endroit-là. Le projet de l'aire de jeu, c'est à la fois de mettre en place donc, tous ces espaces d'animation que vous pouvez voir, où les enfants peuvent jouer librement, qui sont libres d'accès. Et puis on a aussi le kiosque en tant que tel, qui est en fait une sorte de... un kiosque à jeu, une sorte de ludothèque vraiment de plein air, où vous pouvez emprunter gratuitement n'importe quel jeu. C'était une volonté à la fois de la mairie, mais aussi des habitants. On essaye de changer tous les jours les animations, donc on a à la fois un public qui revient très régulièrement, et à la fois des gens de passage, un public qui est vraiment très diversifié à l'image de la place. Le jeu, c'est un outil pour réunir tous ces gens, pour les réunir autour de quelque chose qui pour le coup est vraiment fédérateur, le jeu, quoi, dans toute sa diversité. La fonction de la place de la République, c'est d'être disponible. Disponible aujourd'hui, disponible pour un usage quotidien, pour aller manger son sandwich, pour aller s'asseoir, lire son livre, pour aller s'asseoir, ne rien faire, regarder les gens qui passent, mais aussi pour faire aujourd'hui des choses beaucoup plus éphémères, beaucoup plus exceptionnelles. On passait par République et on voulait aller voir une pièce de théâtre et nous sommes passés sur cette place qui était animée de danseurs, de tango, des skateboarders. Tirer parti de la taille. Et la taille de cet espace-là, elle permet plein d'usages au même moment. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez avoir les skaters et ils ne posent pas de problème parce qu'il y a la place pour tous les autres usages. Tout simplement, elle s'avère parfaite pour le skate. Ça roule super bien, il y a de l'espace. C'est central dans Paris, donc facile d'accès. C'est surtout un endroit où on peut se divertir et puis surtout pour progresser. Et tu viens rejoindre des potes ici, c'est un moyen aussi d'être ensemble, ambiance skateur. Exactement, ouais. C'est comme un regroupement en fait ici. C'est vraiment un rassemblement au-delà du périph' et plus. C'est-à-dire voilà, le skateur même qui habite à une heure de Paris, il sait qu'il peut venir à République, il y aura toujours 2-3 skateurs avec qui skater. Il y a 5 lignes de métro en dessous, 4 lignes de bus. C'est la plus grande station de transport en commun parisien après les gares et les halles. Il fallait faire aussi que tous ces modes de transport puissent cohabiter beaucoup mieux et effectivement être intermodaux. Donc c'est énormément de monde quotidiennement qui passe à cet endroit-là. Parfois sans sortir, mais souvent ils sortent. We from Holland. We on a few days in Paris. For the first time on this place. We've been never here before. But it is a nice place. For many people, is there different things to do.
voulait surtout pas que cette place soit dévolue à des usages de notre petit environnement parisien. Disons que la place de la République réunit la dimension symbolique, la dimension spatiale, une connectivité très très grande, et notamment 5 lignes de métro, dont plusieurs d'entre elles vont loin en banlieue. Ça cumule, ces éléments-là, une capacité à posséder un statut éminemment métropolitain. C'est ça les espaces publics dont a besoin, certains espaces publics dont a besoin le Grand Paris. Il y a eu trop de frontières entre Paris et sa banlieue, ça s'est construit comme ça. Et les 2 millions, 2,2 millions qui sont au centre et les presque 10 millions qui sont à l'extérieur, on a tendance à penser qu'ils n'ont pas un destin commun. Mais en fait, cette région-là, qui est une région extrêmement riche, extrêmement puissante, a un destin totalement lié, totalement commun. Et donc, je pense qu'on a vraiment besoin d'espaces publics de référence qui, même s'ils sont situés quelque part, et en l'occurrence, là, on est dans Paris, s'adressent à la totalité du territoire. Et je crois que l'espace public qui existe aujourd'hui dans les nouvelles places a cette capacité de drainer très loin, de donner la sensation qu'on appartient à cet espace-là, parce qu'on peut y aller, parce qu'on y est bienvenu, parce qu'on peut y avoir une activité tranquillement, sans se sentir d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est vraiment la chose essentielle.